Cola, que j'ai le plaisir d'accueillir, à qui je donne le micro. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Effectivement, pour moi, l'eau, c'est un vaste océan de connaissances. Et j'ai, bien sûr, depuis 25 ans, je travaille sur cette eau. Mais pas simplement pour l'eau, mais aussi pour moi. Et je l'ai intégrée tellement dans ma quotidienneté qu'elle m'a sauvé la vie. Alors j'ai commencé, je tiens à vous faire une petite confidence, je ne vais pas parler de ma vie, bien entendu, mais j'étais avant dans le pétrole. Et vous voyez, je suis tombé dans l'eau. De l'or noir, je suis passé à l'or bleu. Et ça, pour moi, ça a été salvateur. Évidemment, ça s'est passé à un âge certain, comme on dit. J'avais, il y a 25 ans, déjà 56 ans. Par conséquent, si je n'étais pas passé avec l'eau, si je ne l'avais pas compris, si je n'avais pas dialogué avec elle, si je n'avais pas fait fonctionner cette eau sur tous les plans, je ne serais pas là pour vous parler. Donc, je me retrouve aujourd'hui à vouloir essayer d'exposer les vastitudes de l'eau, c'est-à-dire cette immensité qui reste, je tiens à le dire, et c'est Marc-Henri, le professeur Marc-Henri qui le dit, qui reste une des plus grandes énigmes de l'univers. Nous ne savons pas ce que c'est que l'eau encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et vous en êtes empli, à peu près, à 70% de poids de votre corps, c'est de l'eau. Mais c'est bien plus que ça. C'est même extraordinaire. Car, comme le disait le professeur Jacques Benveniste, que j'ai eu l'honneur de connaître, et même travailler un peu avec lui, me disait, Jacques, comprends bien que cette eau que tu as dans le corps, si on compte simplement le nombre des molécules d'eau du corps, eh bien c'est 99% des molécules de tout le corps sont des molécules d'eau. Le reste, c'est du calcium, du potassium, etc. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes que de l'eau. Et c'est de là qu'est née la vie, il ne faut pas l'oublier tout de même. Or, cette vie reste toujours une espèce d'énigme scientifique au niveau de la science officielle. Personne n'est capable d'expliquer la naissance de cette vie. Bien sûr, c'est une histoire dans la Terre, de l'univers. Mais en fait, si vous voulez, les circonstances qui ont fait que cette vie a pu apparaître, eh bien, les probabilités sont égales, à peu près, à quelqu'un qui tirerait une flèche dans une cible qui serait située à 15 milliards d'années. À peu près. Vous voyez? Donc, malgré tout, on a observé cet univers. Et j'ai écrit un livre, qui est le dernier, qui s'appelle « L'au-delà de l'eau ». Donc, je me suis rappelé toujours d'un auteur français qui s'appelait Saint-Exupéry et qui disait toujours que l'essentiel est invisible à nos yeux. Effectivement. Effectivement, nous nous apercevons que dans toute l'histoire humaine et la science humaine, tout du moins celle qui est contemporaine, eh bien, on décode cet univers avec nos cinq sens. Point final, la plupart du temps, c'est nos yeux, c'est notre toucher, c'est notre audition, etc. Vous le connaissez. Or, nous voyons à travers, je dirais, cette perception, on perçoit l'univers à travers une meurtrière. On ne voit rien. Donc on a tenté d'expliquer la signification de cet univers. Et il arrive maintenant, effectivement, à quelque chose qui devient paradoxal. C'est que, on va parler de l'eau, et vous allez voir comment je vais en parler. Mon ami Jean-Jacques vous a déjà donné les bases essentielles. Mais les bases essentielles sont évidemment, je dirais, moléculaires. C'est ce qu'on connaît actuellement. Mais je vais vous dire une chose. L'autre jour, enfin ça remonte déjà il y a 2 ans, à l'appel des étudiants en biologie à l'université de Marseille, à Lumini, ils m'ont dit, Monsieur Collin, nous faisons de la biologie, eh bien on ne nous parle jamais de l'eau.
Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça dans toutes les universités. Et je puis vous dire que, même au niveau de la médecine, en cette année d'études de médecine, il n'y a même pas une heure de cours sur l'eau. Alors, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui manque. Non seulement elle est à l'origine de la vie, mais encore faut-il qu'actuellement nous puissions vivre sans qu'on nous parle de l'eau. Ou tout du moins, la façon dont on nous parle, eh bien, il faut savoir qu'elle n'est pas du tout biotique. Ça veut dire qu'elle ne fait pas apparaître la vie. Donc toutes les eaux que nous avons actuellement sur le marché, je ne veux pas les critiquer, c'est pas ça. Mais je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre aussi pour savoir que ces eaux-là, quelque part, ne sont pas compatibles au niveau, je dirais, de la biologie, de notre corps. Et de ce fait-là, nous place sur des terrains de dégénérescence. Vous savez, je n'ai pas de secret. Je puis vous dire que je me porte parfaitement bien. Et depuis que j'ai compris l'eau, depuis que je l'ai intégrée charnellement, cette eau, depuis que ma biologie s'est réveillée et m'a sauvé d'une maladie sans doute que vous connaissez tous, hein, et qui est très à la mode actuellement, malheureusement, hein, c'est le cancer, eh bien, je puis vous dire une chose, c'est qu'à partir de là, je me suis marié avec cette eau. Je l'ai utilisée tous les jours. Je lui ai donné non seulement la vie, mais je dirais une dimension qui va bien au-delà de notre dimension terrestre. Et c'est là que c'est important. J'ai écrit donc ce livre, L'au-delà de l'eau, et vous allez voir que c'est absolument... Je n'ai simplement que fait que comprendre, essayer d'apprendre et de comprendre. Mais ça ne suffit pas. Le savoir, c'est une bonne chose, mais si vous ne faites pas rentrer ce savoir dans la vie quotidienne, et de la transformer, ce savoir, en connaissance. La connaissance, c'est aller vers le futur. Connaissance, ça veut dire naître avec. Donc, il faut être toujours dans cette exploration de nous-mêmes. Et l'eau m'a appris à cela. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'est pas fait le premier jour, bien entendu. Ce n'est pas en buvant un verre d'eau que vous allez révolutionner votre biologie. Mais je puis vous dire tout de même les conseils que j'ai pu donner à beaucoup de gens, notamment à mon père, qui n'est plus de ce monde maintenant. Mais ça l'a tout de même sauvé sur beaucoup de plans. Eh bien, l'eau, effectivement, il n'en buvait pas, ou mal. Eh bien, tout simplement, je l'ai rééduqué, et ça lui a permis, je dirais peut-être, d'avoir 10 ans de vie de plus. À l'époque, moi, de mon côté, j'ai enseigné cette eau depuis 25 ans, j'ai fait des conférences, des séminaires, et je pense que le service qu'on peut rendre à travers cette eau est absolument fabuleuse. Mais maintenant, on va rentrer un peu dans les détails et vous allez voir que c'est vertigineux. On a parlé de l'eau au niveau physique, mais ça, si vous voulez, c'est le dessus de l'iceberg. Bien sûr que c'est intéressant de le connaître, savoir comment est composée et structurée cette eau, mais comme le disait Jean-Jacques, l'eau est l'autoroute de toute l'information du corps. Mais quand on parle d'information, ce n'est pas simplement au niveau purement physico-chimique, bien sûr, mais le modèle physico-chimique est simplement le terminal d'une succession et de processus qui va très loin et bien au-delà du monde visible, bien entendu, comme vous pouvez imaginer. Et là, évidemment, nous rencontrons ce qu'on appelle la physique quantique, mais cette physique quantique a échoué à un certain moment. Car elle n'a jamais pu s'intégrer dans la science officielle, c'est-à-dire dans la physique classique. Et je le vois très bien dans les universités. En médecine, on n'a jamais étudié. En biologie, on ne l'étudie pas. Et ces étudiants qui m'ont demandé, effectivement, de leur parler de l'eau, et pour eux, ça a éclairé, effectivement, c'est-à-dire que, comme je l'aurais dit, votre biologie, vous l'étudiez, c'est un peu comme un cadavre. C'est un peu comme un film avec arrêt sur image. Vous ne connaissez rien au film. Toute notre biologie, effectivement, est un fonctionnement permanent, perpétuel. N'oubliez pas qu'en une vie, vous changez à peu près 70 fois d'atomes. Vous n'avez jamais les mêmes atomes. Vous êtes sans arrêt en renaissance. Et vous êtes toujours reconstruit sur la même forme. Ça, c'est encore curieux. Donc tout ça, ça commence à s'expliquer actuellement.
Nous sommes véritablement beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous êtes des gens extraordinaires. Et comment refaire ressortir tout ça? Moi, j'ai aucune prétention. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai fait que essayer de comprendre les lois de la création. Il y a des lois. Elles sont là. Elles sont faites, en définitive, pour que les créatures dont nous sommes puissent fonctionner tranquillement, bien, harmonieusement. Regardez la nature. Regardez une fleur. Regardez un brin d'herbe. Ça ne se pose pas de questions. J'ai effectivement cautionné un livre, là, qui vient de sortir, qui a été écrit par un Américain, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Clive Baxter. J'en parle d'ailleurs dans mes livres. Et j'ai pu retrouver son manuscrit. Je l'ai fait traduire en français par une amie québécoise. Et c'est la première fois que ce livre va donc exposer les ouvrages, enfin les études qu'il a faites sur les plantes. C'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Comment se fait-il qu'actuellement, personne n'a encore eu, je dirais, la curiosité. Et Dieu sait s'il a fait des conférences, il a travaillé là-dessus pendant 40 ans. Alors, je vous dis par exemple cet exemple-là, parce que l'eau est intimement mêlée là-dedans, bien entendu, une fois de plus. Imaginez un instant qu'il a étudié l'intelligence émotionnelle des plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est monstrueux, physiquement. Comment peut-on imaginer qu'une plante ait une émotion alors qu'elle n'a pas de cerveau? Eh bien, si. Mais il ne se place pas au même niveau que l'on imagine. L'intelligence émotionnelle des plantes, c'est un livre qui vient de sortir il y a 3 mois. Ce Clive Baxter, que j'ai jamais connu, malheureusement, il est décédé maintenant, c'est un ancien marine du Pacifique qui est rentré à la CIA, et c'est lui qui a mis au point les fameux détecteurs de mensonges. Vous voyez, ce sont des appareils qui captent, disons d'une façon sensitive, bien entendu, des micro-courants sur le corps, etc. On appelle ça des polygraphes. Et un jour, dans son bureau, imaginez un instant, il dit, tiens, je vais voir ce que va faire la plante si je lui mets les capteurs de mon polygraphe. Et si je vais lui brûler une feuille, voir la réaction qu'elle va avoir. Et c'est là qu'est arrivé quelque chose, mais d'inimaginable pour la science, et toujours pour la science actuelle d'ailleurs. Il s'est aperçu que la plante ne réagissait pas au moment où il brûlait la feuille, mais au moment où il en avait l'intention. Donc, la plante avait réagi et anticipé. Alors, il n'a pas voulu le croire, bien sûr, il y a quelque chose qui est réglé là-dedans. Et pendant 40 ans, il a testé et constaté ce phénomène. On commence à expliquer aujourd'hui. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes les explications. Figurez-vous que j'ai une demi-heure ou trois quarts d'heure. Vous vous rendez compte, moi d'habitude je parle une après-midi entière. Donc ça va être très succinct. Alors, vous voyez un peu le développement de tout ça. Donc, cette eau au fond du corps est reliée avec d'autres univers. Alors, on appelle ça l'univers quantique, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques. Quand on ne comprend pas, on dit que c'est quantique. C'est facile. Vous comprenez? Maintenant, tout est quantique. Hein. Même les cacahuètes, c'est pas, il a dit ça aussi. Eh bien, il faut savoir que cette physique quantique, telle qu'elle a été expliquée au siècle dernier, bah, c'est la physique de papa. Terminée. Nous n'en sommes plus là. Et maintenant, dans les laboratoires, dans les centres de recherche, bien sûr, les phénomènes quantiques qu'on a constatés sont tout à fait, je dirais, non reliables avec notre physique classique. Et c'est pour ça que ça a été séparé. Et que dans les universités, on enseigne en médecine aussi bien qu'en biologie et dans d'autres spécialités, absolument pas la physique quantique. Donc elle n'a jamais été intégrée. Or maintenant, et c'est là que l'eau peut nous aider à beaucoup à comprendre ce monde et ce nouvel univers. Il n'est pas nouveau, mais la nouvelle pensée qu'on peut avoir vis-à-vis de cet univers et cette nouvelle perception des choses, eh bien, on s'aperçoit effectivement que c'est une physique qui va être métaphysique. C'est-à-dire qu'elle va aller au-delà du visible. Et c'est une énergie, il faut savoir que votre corps est un terminal, strictement, au niveau atomique, un terminal d'information et d'énergie, point final. Et moi, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie, ça remonte il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus,
J'ai visité le centre de recherche du CERN à Genève, centre d'études de recherche nucléaire, qui est une vaste système où il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent là-dedans, je vous le donne en 1000, pour chercher à savoir ce que c'est que la matière dont nous sommes faits. Et là, je vais vous faire rentrer dans les secrets, parce que ça ne sera jamais dit. Et j'ai discuté avec ces gens-là, je nommerai pas les physiciens en question. Eh bien, voilà où on en est actuellement. On a construit une machine qui a coûté 5 milliards d'euros, qui est à 100 mètres sous le sol entre la Suisse et la France, et qui est un collisionneur atomique. C'est-à-dire qu'on fait rencontrer des atomes à la vitesse de la lumière, et qui se fracassent, bien entendu, et qui fabriquent, si je peux dire, ou font apparaître ce qu'on appelle des particules, sous-particules, etc. Alors, je ne vais pas vous dénommer tout le nom des particules. Le dernier, c'était le boson Higgs. Mais enfin, ce n'est pas très clair non plus. Eh bien, on s'aperçoit que, en fait, cette matière disparaît à un certain moment, n'est plus qu'évanescente. Et en fait, elle ne vit pas du tout dans notre monde. Il y a la matière matérielle, si je veux dire corpusculaire, particulière, celle de vos atomes, mais en même temps, il y a une autre matière qui n'est que onde. La matière est duelle. Vous vivez dans deux systèmes différents. Et ça, on l'a complètement oublié. Vous êtes à la fois onde et particule. Donc, on s'aperçoit, en définitive, et ça, ils le disent entre eux, que la matière n'existe pas. Donc, on revient, effectivement, à des choses qui ont déjà été dites en Orient. Hein, la matière est Maya, c'est l'illusion. Ben, eux, ils disent que c'est une hallucination informationnelle, la matière. Vous reconstituez en 3D des informations. Et en fait, la matière, en fait, il faut savoir, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a simplement qu'une information. Donc, comme vous pouvez le constater, que cette matière, il faut le reconnaître, est relativement précaire. Et il faut bien comprendre que tout ça, derrière tout ça, qu'est-ce qui fait fonctionner cette matière et pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que l'on fait dans cet univers entre notre naissance et notre mort? C'est une histoire de fou. Si on s'en enquiert simplement de ce que la science nous dit, ce monde est fait que de néant et d'aléas divers. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, la science actuellement s'aperçoit que toutes les constantes physiques qui ont été calculées pour expliquer cet univers, et c'est vrai que ces constantes-là sont valables sur un certain plan, que ce soit le saut orbital d'un électron, que ce soit la vitesse de la lumière, que ce soit le fonctionnement, je dirais, biologique et physico-chimique de notre corps, tout ça, ça se tient, mais il faut comprendre, et ça c'est vrai aussi, que si vous modifiez une de ces constantes physiques dans l'univers, même d'un millième, tout s'écroule, rien ne marche. Un exemple par exemple. On est toujours étonné de voir que l'air que nous respirons, et vous avez vu comment il est né cet air, par un déchet qui était l'oxygène, par la végétation qui est apparue, eh bien, cet oxygène, l'air qui compose notre fonctionnement respiratoire, ben, comprend 21% d'oxygène. Et ce taux est toujours le même depuis des millions d'années. Comment se fait-il que la planète peut réguler, donc par une sorte d'homéostasie, ces 21%? C'est incroyable. On parle du dérèglement climatique actuellement. Là, je n'aurai pas le temps de vous faire un développement là-dessus. Tout ça pense quelque part une espèce de farce, parce que ça va bien au-delà de notre petite planète, tout ça. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps. Mais imaginez un seul instant que les végétaux qui rejettent sans arrêt de l'oxygène toute la journée, et des masses énormes, eh bien, le taux d'oxygène est toujours de 21%. Et on a calculé que si cet oxygène de l'air était alimenté par les végétaux, en 12 000 ans, ça augmenterait à peu près de 1%.
22, 23, 24, 25. Et quand on arrive à 25%, et supposé qu'il y ait 25% d'oxygène dans l'air, la vie ne pourrait plus être. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ce taux d'oxygène, eh bien, enflammerait instantanément toutes les forêts. Donc, c'est pas par hasard qu'on a 21%. C'est pas par hasard que la vie est apparue. C'est pas par hasard que, quelque part, toutes ces constantes-là se tiennent. Et comme le disait Einstein, j'aurais bien voulu savoir quelle était l'intention du Créateur avant l'univers. C'est bien connu, cette phrase-là. Et c'est ça, le problème. Comment retrouver notre essence ? L'eau, pour moi, a été une sorte de porte-avions, si je peux dire. J'ai décollé, vraiment, et je puis vous dire que j'en suis une parfaite santé. Bon, j'ai rien. Bon. Et tout le monde s'inquiète, même dans ma famille. Papa, t'as pas quelque chose ? Non, j'ai rien. J'ai rien. J'ai mal nulle part, je marche très bien, je cours, je fais du vélo, je nage, je fais tout ce que je veux, quoi. Bon, le reste. Alors évidemment, j'ai bientôt 82 ans, c'est pas normal. On vient de vous dire qu'effectivement, à partir de 60 ans, tout dégringolait. Il y avait une espèce de dégénérescence. Effectivement, actuellement, c'est catastrophique. Savoir qu'on est obligé de mourir en mauvaise santé. Donc, dans une sorte de déchéance. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement dans notre société. Et là, effectivement, il va falloir l'expliquer. Et comment l'eau peut effectivement nous apporter, je dirais, toutes ces informations et de réveiller des capteurs qui nous permettent de mettre en relation avec ces univers, que j'appellerais plus quantiques. Appelons ça l'hyperespace, appelons ça tout ce que vous voulez. Eh bien, maintenant, on commence à avoir une vue précise à ce sujet-là. Comme je vous ai dit que la matière n'existait pas, et que ça a été dit au CERN de Genève, et que effectivement, ils ne vont pas aller le crier sur les toits, parce que dépenser de l'argent, 5 milliards d'euros, pour chercher quelque chose qui n'existe pas, ça c'est un motif de licenciement immédiat. Donc, voilà où on en est. Donc, la science actuelle est dans une impasse, il va falloir qu'elle réagisse, il va falloir qu'elle passe l'autre côté du miroir de l'eau, l'autre côté, l'au-delà de l'eau, qui représente, je dirais, le concentré même de la signification de la vie dans notre matière physique. Alors vous voyez où on en est actuellement. Donc, quand on voit nos petits jeux politiques, nos petits problèmes, etc., tout ça c'est dérisoire par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes des dieux en puissance, s'il fallait qu'on puisse développer tous nos caractères et nos potentialités. Mais là, on a raté le train pour l'instant. On n'est pas monté dedans. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et vieillir, ce n'est pas du tout une déchéance. C'est au contraire une accumulation de mémoire. Et cette mémoire, elle s'enregistre au niveau cellulaire. On le sait maintenant, comment fonctionnent nos gènes. Je n'ai pas le temps de vous faire une description là-dessus. Mais on a tout faux lorsqu'il s'agit de démontrer que les gènes sont héréditaires et fixes. Maintenant, c'est fini. Nous avons une capacité et un pouvoir de modifier nos gènes, c'est-à-dire, précisément, par le système psycho-émotionnel. Donc, tout ça, j'ébauche simplement les questions, je n'ai pas le temps de vous répondre à tout, mais c'est quelque chose de fabuleux de voir que cette eau, eh bien, dans la mesure où on va la boire, et ça, c'est tout un apprentissage. Et d'une certaine façon, avec une spécificité qui est non seulement biochimique, et là, on va rentrer dans quelque chose d'extraordinaire, et je vous l'expliquer, ce sont les eaux. Comment faut-il réorganiser ces eaux pour qu'elles soient biocompatibles avec votre biologie, et que votre biologie, effectivement, reçoive tous les bons messages ? Eh bien, on n'a pas le temps de parler des eaux dynamisées. En France, on a été très en avance là-dessus. Curieusement, vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent de la France, mais qui sont récupérées par l'étranger, parce que nous,
On est incapable, si vous voulez, de s'organiser sérieusement, on est un peu brouillon partout, etc. Mais ça, ça provient du tempérament gaulois que nous sommes, hein, depuis 2000 ans, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que, en définitive, on vit très bien en France, tout compte fait, quoi qu'on dise. Donc, je veux dire par là que cette eau, eh bien, enferme des caractéristiques. Et là, je vais vous dire que ces caractéristiques sont absolument indispensables pour que nous puissions fonctionner. Jean-Jacques en a un peu parlé tout à l'heure. Moi, je vais le compléter maintenant, je dirais, au niveau essentiel. Eh bien, cette eau, vous voyez, il faut la comprendre. Mais comme on n'a pas la capacité, nous, intellectuelle, de la comprendre, puisque pour l'instant, comme je vous dis, ça reste une grande énigme, eh bien, nous, notre corps sait. Il n'a pas eu besoin d'apprendre, il sait. Vous voyez, nous, c'est le contraire. On apprend, mais on ne sait pas. Donc, le problème, il a aussi notre mental dans tout ça, qu'il va falloir réguler, qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir réintégrer dans la création. Notre mental, actuellement, il fait n'importe quoi. Et c'est ça qui nous amène précisément à avoir des mauvaises informations, à avoir des sortes de négations, je dirais presque, de la vie. Hein, parce que, en fait, vous allez voir que tout simplement, toute la création fonctionne suivant des lois harmoniques qui sont déterminées. Et on les voit au niveau mathématique, on les voit au niveau de l'ordre, on y voit au niveau de la beauté, on y voit au niveau de, tout simplement, de l'affection et de l'amour, même, je dirais, des choses. C'est absolument prodigieux. Dans la mesure où on s'alimente à ce niveau-là, l'eau va recevoir l'information. Et vos cellules vont automatiquement s'enregistrer. Vous ne serez plus dans les colères, vous ne serez plus dans les révoltes, petit à petit. Il y a une espèce de l'ordre silencieux qui s'installe au cours des âges, au cours de l'année. Et la vieillesse, avant tout, devient heureuse. Ce n'est pas, vieillir n'est pas avoir un certain nombre d'années, mais mal vieillir, c'est avoir un peu déserté son idéal, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a cette capacité, nous, de pouvoir renaître à chaque instant. Et c'est pas aujourd'hui que vous allez démissionner, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas le seul à avoir fait ce que je fais. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et je n'utilise pas encore tout mon potentiel. Donc, tous les matins, je réfléchis comment je vais refaire ma vie. Tout simplement. Magnifique. Vous pouvez la refaire tous les jours, à chaque instant. N'abdiquez jamais. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, toutes ces idées-là ont été contrebattues, il ne faut pas l'oublier. Un type comme Benveniste, qui a mis en exergue la mémoire de l'eau, cette capacité qu'a l'eau d'enregistrer des informations, à la fois électromagnétiques, électriques, et je dirais totalement virtuelles et immatérielles, est maintenant démontrée, puisque le professeur Luc Montagnier, notre prix Nobel de médecine, a refait une démonstration tout à fait brillante sur la duplication d'ADN d'un virus. Donc, tout simplement, par l'eau. Alors, vous vous rendez compte, le trésor que vous avez en vous, et actuellement, il est massacré. Massacré par ce que l'on boit. Alors, je ne parle pas des boissons industrielles, qui sont un véritable désastre. Et quand on parlait, évidemment, de toute cette oxydation du corps, et là, je vais effectivement faire une toute petite exposée parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'y est pas encore, vous vous rendez compte. Eh bien, vous allez percevoir quelque chose qui est indispensable à votre corps. Puisque votre corps n'est pas matériel, ben voilà, il faut le savoir, et par conséquent que votre corps est quelque chose de fluctuant, précaire, qui va disparaître tôt ou tard, ça c'est évident, il y a une information qui reste. Et c'est ça, la pérennité. Comme le disait un physicien là dernièrement, vous êtes de l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. C'est beau ça. Vous rendez compte de ce que vous êtes? Personne n'y pense là. Et moi, quand on paye ses impôts, il faut s'occuper des gosses, il y a un patron qui est grincheux, enfin c'est pas marrant. Comment s'est-on foutu dans un monde pareil? Et vous allez voir, ça va être merveilleux, ce que je vais vous raconter, parce que c'est vrai, et c'est découvert actuellement, surtout. Donc c'est pas des philosophies encore ésotériques, tout ça, c'est zéro.
Hein, c'est des choses qui sont bien campées, qui commencent à être acceptées, mais en douce, parce qu'on n'ose pas trop avouer, effectivement, que ça existe. Parce que, effectivement, comment voulez-vous actuellement que la science puisse rejoindre la conscience, hein? Elle est séparée depuis longtemps, alors que dans l'Antiquité, elle n'était pas du tout. Dans la tradition, absolument pas. Il n'y avait pas de frontières. Nous avons créé des frontières, mais l'univers, il s'en fout des frontières. Il fonctionne dans tous les plans. Et votre corps fonctionne sur des multiplans de mots. Eh bien, cette eau, il faut qu'elle ait des caractéristiques. Et vous avez dans votre corps, définitive, je dirais, deux particules qui sont effectivement essentielles et qui gèrent, je dirais, la totalité de toutes vos réactions métaboliques. Imaginez que ces réactions métaboliques, vous vous rendez compte, on disait qu'on a à peu près entre 60 000 milliards et 100 000 milliards de cellules. Vous vous rendez compte, cette population ? Comment peut-elle s'ordonner d'une façon aussi majestueuse, aussi parfaite dans notre corps, que chaque cellule sait exactement ce que fait l'autre ? Il y a là une sorte de, je dirais, d'assistance, de vigilance, de solidarité, avec 60 000 milliards de cellules. Vous vous rendez compte que nous, 6 milliards sur la planète, vous voyez le bordel ? Bon, enfin voilà. Donc, la nature sait fonctionner. Elle fonctionne toujours avec la loi du moindre effort. Nous, on est à l'inverse. Nous, on est les beaux, les plus forts, les plus beaux. Nous, on va être le premier, on sait, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, justement, c'est là où on a beaucoup à apprendre de cet univers. Cet univers est sans arrêt en mouvement. On n'en a pas l'idée de cette dimension. Bien sûr, on dit qu'il y a eu un Big Bang, 14 milliards d'années. Mais vous savez comment tout ça fonctionne ? Bon, on s'aperçoit que les fameuses lois de Newton, ça vaut plus grand-chose aujourd'hui. En fait, ça vaut dans un certain plan, mais ça ne vaut pas actuellement pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Posez à n'importe quel astrophysicien ou physicien quantique, pourquoi le moindre atome, la moindre molécule, la moindre planète, la moindre galaxie tourne sur elle-même depuis 14 milliards d'années. Zéro. Silence, radio. Eh bien, moi, je vais tenter de vous l'expliquer, bon, parce que je connais tout, loin de là. Hein, je sais qu'il faut être toujours dans cette humilité constante devant cet univers, et ça, c'est extrêmement important. Hein, la science, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Montaigne, la science est une ignorance qui se sait. Ah ! Vous voyez, tous les grands diplômés, moi, je suis diplômé aussi, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai fait l'école supérieure de commerce, licencié en droit, etc. et tout ça, vous voyez. Bon, vous vous rendez compte, c'est loin pour moi, mais ça m'a servi. Bon. Eh bien, il faut savoir que tout ça, c'est rien par rapport à cette immensité de l'univers. Donc, ces deux particules qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la vie dans notre monde physique, c'est l'électron et le photon. Quand vous avez réglé tout ça, eh bien, vous n'avez plus aucun problème. Toute cette circulation photonique et électronique du corps est extrêmement importante. Et tout à l'heure, on a évoqué un tout petit peu. Et là, vous avez le président de l'Association de la bioélectronique de France, qui est là présent dans la salle, parce que je veux lui rendre hommage. Il est encore à maintenir quelque chose qui est absolument incroyable et que la médecine n'utilise pas. C'est cette fameuse bioélectronique dont on parle tant. Eh bien, dans le mot bioélectronique, comme vous imaginez, il y a l'électron. Il n'y a aucun problème. Donc, en définitive, notre corps fonctionne, et toutes votre réaction métabolique, et vous en avez à peu près, si je vous le disais à l'heure où je vous parle, 6 000 milliards par seconde. Comment voulez-vous qu'un médecin puisse s'y trouver là-dedans ? Rien. Impossible. On n'y arrivera jamais. Hein ? On met plutôt du désordre que de l'ordre, d'ailleurs. C'est plutôt anthropique, cette médecine-là, elle n'est pas néganthropique, c'est-à-dire elle n'est pas dans le refonctionnement de l'ordre du corps. Donc, l'eau, vous allez voir, peut vous amener là-dedans, mais ça, il faut s'y mettre, il faut s'en imprégner. Ce n'est pas simplement en l'étudiant d'une façon intellectuelle que cette eau vous rendra tout ce qu'elle peut vous donner. Vous voyez, c'est en le prenant
charnellement en vous. Et alors, cet électron et ce photon, comment tout ça fonctionne? Eh bien, l'électron, là, je l'ai vu au CERN de Genève, vous allez voir, ça n'appartient pas à notre espace-temps. Et pourtant, on en parle tout le temps. Hein? Tout est électronique maintenant. Rendez-vous compte qu'on a une particule qui est absolument insaisissable. Parce qu'en définitive, il faut savoir que cette particule est duelle aussi. Hein? Elle est à la fois un peu corpusculaire et surtout onde. Hein? Donc il faut savoir que toutes les expériences qui ont été faites, je ne parle pas des formes de Young, etc., et tout ça, vous rendez compte, on n'en sortirait pas, mais c'est démontré que, en définitive, cette apparition d'électrons dans notre espace-temps est très fugace. Et cet électron, c'est, je dirais, une sorte de chef d'orchestre de toutes ces réactions métaboliques. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vieillissez? Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez malade? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une désorganisation métabolique, bien entendu, ça commence comme là. Vous avez des réactions qui ne se font plus. Pourquoi? Vous n'avez plus de potentiel électronique. Ce potentiel électronique est tellement important que s'il n'existe pas ou s'il s'affaiblit, eh bien, vous avez tout le système énergétique du corps qui s'affaiblit. Et vous commencerez à être malade avec l'organe que vous avez le plus faible. Bien sûr, c'est par là que ça pêche. Alors, sachez qu'actuellement, je n'aurai pas le temps de vous parler, bien sûr, des microbes et des virus, mais on peut très bien vivre en bonne harmonie avec tout microbe et tout virus. Moi, je l'ai fait plus de 25 ans, ça n'a rien de sorcier. Je passe à travers toutes les grippes, etc. Et aussi, si j'en reçois des publicités pour me faire vacciner, rendez compte. Je ne vais même pas vous parler des vaccins, c'est une horreur. Bon, eh bien, il faut bien comprendre que ça, si vous voulez, actuellement, on a cette capacité de reconquête de nous-mêmes. C'est une opportunité incroyable. Et les temps sont venus pour ça. Hein. On est dans ce qu'on appelle, je vais vous faire peur, mais les Grecs appelaient ça l'apocalypsos, la révélation du cachet. Ça ne veut pas dire qu'il y a des catastrophes, etc., épouvantables. Et encore combien de temps? 10 minutes? Mes pauvres enfants. Je viens simplement de faire les préambules. Eh bien, effectivement, donc, nos réalités, il va falloir les percevoir. Nous avons plusieurs réalités. Et c'est ça qui va vous faire fonctionner. Donc, nos cellules, qu'est-ce qu'elles font toute la journée? Eh bien, les photons proviennent la plupart du temps des électrons. Les électrons, c'est plein de photons. Ah, faut savoir ça encore, vous voyez? Encore curieux, ça. Hein? Un choc d'électrons émet des photons. C'est photonique. Eh bien, on parle de l'effet tunnel, par exemple, en électronique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On dit, oh, bah, c'est un effet tunnel. C'est tout simplement un électron qui disparaît dans une autre dimension et qui revient chargé d'une information et qui amplifie un signal ou n'importe quoi. Vous voyez bien. Bon, on a trouvé que ça marche, on l'utilise, mais on ne sait pas pourquoi. En définitive, elle change de temps. Alors, je n'aurai pas le temps de vous faire aussi non plus un exposé sur le temps, mais c'est absolument fabuleux ce qu'on rencontre actuellement. Bon, je vais vous donner un peu de quoi rêver, mais je peux dire que c'est authentique. Nous avons maintenant la possibilité d'aller pouvoir modifier nos futurs avant de les vivre. Ah oui. Alors, je n'aurai pas le temps de vous exposer ça, je reviendrai si vous voulez. Mais ça, je vous laisse la question et la réponse, je ne peux pas vous la donner parce que je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc, on commence à réintégrer tous ces phénomènes-là dans notre physique. Comment le réintégrer alors qu'on ne l'a jamais fait? On parle des fractales, on parle de tout ça. Les fractales sont des dimensions de temps différentes, tout simplement, etc., etc. Et là, le photon, il faut savoir que nos cellules communiquent entre elles, et ça, ça a été découvert par un Allemand il y a déjà une quinzaine d'années, une vingtaine d'années presque, par Fritz Haber-Popp. Nous savons que nos cellules communiquent entre elles par des lumières qu'on appelle cohérentes, donc une sorte de laser, sur la gamme d'ondes d'ultraviolet, hein, et qui communiquent entre elles par ces flux photoniques. C'est une énergie ultra faible, mais ça permet à chaque cellule de savoir où en est l'autre. Et c'est là où Chloé est importante, tellement importante,
que l'on se structure en fonction de ces informations, et qu'elle a formé des espèces de câbles, je dirais, un peu comme des fibres optiques, vous voyez, puisque l'eau est un cristal, il ne faut pas l'oublier non plus, qui va donc transmettre. Et si vous n'avez pas une eau adéquate à l'intérieur du corps, si cette eau est invasée par toutes sortes de polluants, et Dieu sait s'il y en a actuellement, eh bien, la liaison photonique se fait très mal. Et vous commencez à être dans le désordre organique. Et voilà, donc, c'est simple à comprendre. Bon, alors bien sûr, le discours que je fais aujourd'hui est tellement simplifié, si vous voulez, que ça vous paraît invraisemblable, mais tout ce que je vous avance, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas du tout un errement, je dirais, de logorée philosophique. Absolument pas. C'est quelque chose qui est maintenant connu. Le tout, c'est de savoir comment cette science va pouvoir synthétiser tout ça. La science actuelle, il faut le comprendre, est tellement dissociée. C'est une tour de Babel. Un astrophysicien ne comprend rien à un physicien ne comprend rien à ce que raconte un chimiste. Moi, j'ai vu ça dans des discours. Ils s'engueulent, ils ne comprennent pas, ils ont chacun leur terminologie. Nous sommes dans une science où il n'y a que des îlots de connaissances au milieu d'un océan d'ignorance. Le problème, il est là. Comment retrouver justement cette synthèse? Nous sommes que dans l'analyse. Et l'analyse en grec, je le répète, ça veut dire quoi? C'est très simple, si on savait tout ça. Anna, ça veut dire le plus haut. La voûte céleste. Hein. Lise, ça veut dire casser. La voûte céleste est le plus haut. L'analyse, c'est ça. Donc, rendez-vous compte. Hein. Le lise, le lisier, pas besoin de vous dire ce que c'est. Ça vient de là. Hein. Bon, alors, voilà. Donc, il faut élever le débat, comme on dit. Eh bien, voilà, on est dans des nouvelles réalités qu'il va falloir admettre et surtout intégrer. Hein. Bon, donc, cette liaison photonique du corps est extrêmement importante. Hein. Et c'est l'électron aussi qui va aller porter cette potentialité, je dirais, au niveau purement des énergies provenant du fin fond de l'univers. Or, là je vais vous dire encore des choses qui sont assez extraordinaires et qu'on découvre maintenant, mais on n'ose pas les dire parce que ça révolutionnerait complètement, je dirais, non pas nos sociétés, mais je dirais notre civilisation. Et là actuellement on s'aperçoit d'une chose, c'est que la vie ne fonctionne strictement, bien sûr, par les champs électromagnétiques comme on en parle, par, je dirais, le champ électrique, par l'électron, etc. C'est vrai. Mais il y a une courroie de transmission incroyable. Et on s'aperçoit que cette vie fonctionne à travers ce qu'on appelle l'énergie du vide quantique. Alors là, le mot quantique, on peut le dire, mais c'est une énergie qui est tout à fait détectée maintenant, mais qui n'est pas détectable dans notre univers. Il faut les mettre en condition. Imaginez que le vide, c'est pas du vide du tout, c'est rempli d'une énergie colossale. Et tout ça a été calculé encore dernièrement. Vous avez un physicien qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui s'appelle Nassim Aramen, qui a un centre d'études aux îles d'Hawaï avec 200 personnes, qui a retravaillé toutes les équations d'Einstein. Il a remis à plat tout ça, et on s'aperçoit qu'effectivement, comme il le dit, on n'est que du vide. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Cette énergie colossale. Cette énergie colossale, imaginez qu'on a un centimètre cube de vide. Vous avez une densité, une masse d'énergie qui correspond à 10 puissance 93. C'est colossal, gramme. Donc, attendez, vous n'êtes qu'un système à énergie libre à 98%. Tout ce qui est vivant utilise cette énergie libre. Et maintenant, on commence à comprendre que cette énergie libre, comment elle est diffusée sur la planète Terre, puisqu'elle est indétectable pour l'instant. C'est une force qui est potentielle. Vous savez, c'est comme deux mains jointes d'une force égale qui s'oppose. Rien ne bouge, vous ne voyez rien, mais la force est là, potentiellement. Et qu'est-ce qu'il suffit de créer? Une espèce d'asymétrie dans cette force, vous avez un déversement de cette énergie qui se fait à travers ce qu'on appelle, alors vous allez pouvoir regarder sur Internet, mais il y a beaucoup de choses idiotes, mais tâchez de trouver quelqu'un qui connaisse ça, à travers les ondes scalaires, qui sont la courroie de transmission pour transmettre cette énergie à travers le système électromagnétique de notre univers physique.
Vous vous rendez compte où on en est actuellement? Vous êtes tout ça. Vous êtes des gens absolument fabuleux. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne vous l'a jamais dit. On ne nous l'a jamais dit. On ne nous l'a jamais enseigné. Personne. Si, j'ai redécouvert quelque chose. Les évangiles apocryphes de Thomas, de Philippe et Marie-Madeleine. Ils disent tout. Et cela, on ne les a jamais connus. On nous a raconté que des coups. Eh bien, il disait, Jésus, à l'origine, vous étiez un. Vous avez fait le deux. Oui. Vous avez vu? On est vraiment dédoublés. Hein. On est à la fois rond et corse musculaire dans la bonne mine. Hein. On a un autre nous-mêmes qui se balade quelque part, on ne sait pas. Vous avez fait le 1, vous avez fait le 2. Comment allez-vous faire pour retrouver le royaume de mon Père? Ah, voilà, c'est ça le problème, c'est de retrouver cette unité. Et plus vous la retrouvez, cette unité, plus vous allez retrouver cette loi de la création qui est faite pour que cet univers fonctionne et que ces créatures qui y sont fonctionnent harmonieusement. Il n'y a aucun problème, je puis vous le dire. C'est des choses qu'on découvre soi-même. C'est un chemin personnel et parfois solitaire. Et là, il y a encore une phrase extraordinaire qui vient justement des évangiles de Thomas. Je m'en réfère parce qu'on a une culture occidentale qui est chrétienne, mais c'est la vraie chrétienté d'origine. Ça n'a rien à voir avec les religions. Eh bien, il faut savoir qu'il a dit « ce sont les célibataires qui entreront dans les liens du mariage. » Ce sont les solitaires, pardon, qui rentreront dans les liens du mariage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en fait, si vous voulez retrouver votre unité, c'est-à-dire ce lien, eh bien, c'est pas en copiant, si je peux dire, les égrégores, les problèmes collectifs, etc. C'est un chemin que vous devez entreprendre personnellement. C'est pour ça que vous êtes un peu solitaire. Mais vous êtes relié avec tout le monde, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que maintenant, nous le savons, n'importe quel atome de votre corps est relié avec l'univers entier, et représente l'univers entier. Quand je vous dis que l'énergie du vide est là, un atome, ce n'est que du vide. Et vous avez à l'intérieur, par conséquent, je dirais au niveau fractal, ce que vous retrouvez dans tout l'univers. Puisque ce fameux 10 puissance 93, ça représente une énergie colossale. Hein, et sachez, et ça, je n'ai pas besoin de vous le cacher, et là j'ai tous les documents, j'ai les expériences, que si on voulait vraiment changer de civilisation actuellement, eh bien, au lieu d'essayer de trouver des solutions d'énergie alternative ridicules, comme les éoliennes, les moulins à vent et tous ces machins-là, nous avons cette énergie qui est absolument gratuite, illimitée et non polluante, que Nikola Tesla avait déjà trouvé au siècle dernier, et que qui a été réfuté par des lobbies, et notamment la Banque Montréal, etc., et que nous retrouvons maintenant avec cette énergie thermodynamique, explosive, alors que nous avons l'autre côté, l'univers qui fonctionne avec une énergie qu'on appelle implosive, qui est une énergie qui organise et qui organise la matière. Et il faut encore que je parle ? La fin pour nous apporter l'amour. Alors justement, c'est ça que vous cherchez, madame. Tout le monde le cherche et personne n'ose le dire. En fait, c'est ça qui règne partout. Et quand vous rentrez dans cette dimension-là, mais ce n'est pas un amour à la façon humaine, passionné, etc. Ce n'est pas cet amour-là. Ça n'empêche pas de l'avoir non plus, de l'autre côté. Mais c'est un sous-produit, si je peux dire. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Faut comprendre ça. Parce que si vous en faites l'essentiel, ça va souvent très mal. Et pour remarquer, pour certains, cette passion, eh bien, ça c'est cet amour qui est inscrit quelque part dans une espèce de fil rouge qui est dans l'univers. Et quand vous le tirez, ce fil rouge, vous apercevez que ça fonctionne. Et alors, c'est là, si je peux vous dire, pour terminer un peu, si je voulais, dans la grandeur de vous-même, si vous le cherchez, il faut savoir qu'effectivement, il faut être sans arrêt pour avoir la récompense ou la rétribution de cet amour que l'univers vous donnera. Il faut être ce qu'on appelle dans l'altérité et la bienveillance et l'altruisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des petits moutons qui ont peur de tout. Non, au contraire, rien du tout. C'est une force extraordinaire qui fonctionne. Et vous savez,
l'univers est régi, et vous-même, vous êtes régi par deux sentiments. Il n'y en a pas 36 000, il y a toutes les facettes, bien sûr, intermédiaires. C'est d'une part la peur, et de l'autre côté, l'amour. Donc, tant que vous êtes dans la peur, c'est toute l'énergie négative. Et, il ne faut pas l'oublier, vous n'êtes qu'un système informationnel qui, effectivement, a des supports qui sont électromagnétiques, et à la fois aussi scalaires, et à la fois des énergies du vide, qui apportent cette information du fin fond de l'univers. Et si vous êtes dans la peur, eh bien, à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir sans arrêt l'incapacité de pouvoir dominer, je dirais, votre biologie et votre corps. Et c'est là que découlent tous nos problèmes. Nous sommes sans arrêt dans cette peur. Et cette peur, elle est sous-tendue par quoi? Par la mort biologique, bien entendu. Le fait de mourir, c'est une histoire qui est sans arrêt dans notre inconscient. Tous nos actes se font en fonction de ça. Même quand vous descendez un escalier, vous faites attention. C'est derrière cette peur qui est incontrôlable. Et bien c'est ça qu'il faut apprivoiser. Parce qu'en définitive, je reviens à ce que dit ce physicien, vous êtes effectivement de l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. Donc débrouillez-vous avec ça. Je vous laisse en héritage. Mais cherchez bien et croyez que notre façon de sortir de ce monde, la clé est là. Voilà. Merci beaucoup, cher Nicolas. Quand on vous disait que l'os est beaucoup plus que de l'ombre, je ne sais pas aller.